Salut à tous. Aujourd'hui, je vous propose de me suivre au bord de l'eau. Donc, nous sommes dans un plan d'eau, dans un cadre magnifique que je connais très très bien, qui est tout près de Bordeaux, qui a pas mal de pression de pêche. Mais bon, je suis arrivé ce matin dans les environs de 7h30. J'ai fait vite fait le tour du plan d'eau. J'ai pu observer très très peu d'activité. Donc, quelques fouilles par-ci, par-là. Mais bon, pas de saut. J'ai fait également aussi un petit relevé de température avec le dipper. L'eau est à environ entre 9 et 10 degrés. Mais bon, on est dimanche. Ils ont annoncé un super temps. J'ai la journée devant moi. Je m'installe et je vous reprends pour me parler de la stratégie que j'ai mis en place. Je pêcherai avec deux cannes. Donc la canne de droite, elle est située sur une cassure à environ 4,30 m de profondeur, et la canne de gauche est située sur un plateau, sur une tache de gravier qui a environ 3,10 m de profondeur. Donc je partirai sur les bouillettes de la gamme de caviar de chez Authentic Sniper. C'est une bouille composée de farine végétale et de semoule de pelée qui est super digeste et qui diffuse super bien en eau froide. Donc la canne de droite, elle est échée d'un bonhomme de neige, une bille de 20 et une pop-up de 10, toujours caviar. Et pour la canne de gauche, donc elle sera échée d'une grosse tiger nut et d'une petite pop-up pour l'équilibrer. Préparer un mélange de graines, donc de la noix tigrée, du maïs doux, du chêne vie et des pois chiches. Associé à ça, j'ai mis environ 300 g de billes de la gamme caviar coupées en deux, mélanger tout ça avec du dip caviar. Donc pour cet amorçage là, je le propulserai avec un petit S-bombe qui fait l'équivalent de 3 cuillères à soupe, et je ferai un rappel toutes les 2 heures. Donc on verra bien, c'est la première fois que je mets en place cette stratégie là. Donc on verra bien si je sortirai mon épingle du jeu ou pas. Donc ça fait pas mal d'années que je me fournis mes appâts chez Authentic Sniper. Et donc j'ai eu beaucoup de chance. En ce début d'année, je reçois un appel et je décroche, et Emmanuel Walt me contacte et qui me propose de rentrer dans sa team. Donc Emmanuel Walt, je pense que pas mal de gens le connaissent dans le monde de la carpe. Donc c'est le patron de l'entreprise Authentic Sniper. Donc mon choix a été vite, vite réglé, car j'ai tout de suite accepté ça, de rentrer dans sa team, notamment dans la diversité et l'innovation de ses appâts. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc je vous invite à jeter un œil sur son site internet. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Et si vous avez la moindre question ou des renseignements sur les appâts qu'il propose, je vous propose de me contacter. Je ferai vraiment un plaisir de vous renseigner. Et ainsi, vous pouvez contacter Emmanuel Walt, qui fera également un plaisir de vous renseigner sur toute la gamme de ses appâts. Donc je te remercie beaucoup, Manu, de m'avoir si gentiment proposé de rentrer dans ta team. C'était vraiment un grand plaisir de rentrer dans la team Authentic Sniper.